Depuis le début du confinement, Mona dit n'avoir jamais autant travaillé. Et pourtant. Je suis à 100% du chômage partiel, c'est-à-dire que je ne suis pas censé travailler du tout, et ce depuis 4 mois. Depuis 4 mois, c'est l'État qui paye 84% de son salaire, plus de 1500 euros d'argent public. Faire travailler un salarié placé au chômage partiel s'apparente à une fraude, plus précisément à du travail illégal. Pendant la journée que nous avons passée avec elle, la supérieure de Mona n'a jamais cessé de la contacter. Tu m'envoies tout le temps de la semaine, on se rebondit sur ton mail avec des idées, des points à faire. Tu sais, vu que je marie ma sœur last week-end, je pourrais pas être présente au call de demain de 15h. Très bien. Oui, 15h. Tu m'appelles à 11h, on va parler un peu de la croissance. Mona a été embauchée fin janvier. Son premier CDI. Elle est encore en période d'essai. Alors pas question pour elle de couper son portable afin d'échapper à la pression de son manager. On a l'impression qu'on abuse de notre situation et qu'on abuse du fait d'être de jeunes salariés, d'être en période d'essai, que ce soit notre premier travail. Il y a une forme de chantage qui est faite un peu subtilement. On appelle plus à l'effort de guerre. On nous met le couteau sous la gorge, en fait. On ne nous laisse pas le choix. En cas de travail illégal, son employeur risque jusqu'à 2 ans de prison et 30 000 euros d'amende. Mona pourrait le dénoncer auprès des autorités, mais elle n'ose pas. Je ne sais pas ce que ça engage vraiment pour moi de le faire. J'ai un peu peur aussi, d'une certaine manière. Pas forcément de représailles ou quoi que si, peut-être. Je sais, franchement, je ne sais pas. Mais je sais que c'est injuste ce que je suis en train de vivre depuis plusieurs mois. C'est les citoyens, enfin, c'est les Français qui payent mon salaire, en fait. Et c'est scandaleux.